Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le système Lamello Zeta. C'est avec ce système que je monte la plupart de mes meubles. C'est un système qui a été inventé par des Suisses. Et voilà, aujourd'hui je vous présente comment ça fonctionne. Le système est relativement simple, il consiste en deux pièces, une pièce mâle et une pièce femelle. La pièce mâle est actionnée à l'aide de ce tournevis qui vient actionner une petite languette qui vient serrer la partie femelle. Une fois que c'est serré, c'est indéboulonnable, ça a une résistance bien supérieure à des vis. Et cet avantage, le gros avantage de ce système, c'est que c'est d'une discrétion absolue. Pour insérer ces fameux Lamello Zeta, nous avons besoin d'une machine, la Lamello Zeta, qui permet de faire une rainure permettant d'insérer en force ces fameuses petites pièces que je viens de vous présenter. Comme vous pouvez le constater, cette lamellaise se met en léger décalage sur la fin, créant une forme de champignon permettant de retenir les fameux inserts que l'on insère donc par un mouvement latéral. Cette vue en coupe vous permet de voir comment l'assemblage fonctionne. Nous insérons donc la pièce avec un mouvement latéral. L'autre pièce est évidemment assemblée sur l'autre pièce de bois. Et un simple tournevis va permettre d'aller serrer les deux pièces. Comme ceci. Afin de vous démontrer l'efficacité du système, je vais vous montrer l'assemblage de deux pièces qui me serviront pour la bibliothèque que je suis en train de construire. Il faut tout d'abord évidemment établir et tracer la pièce pour déterminer les anthrax des futurs inserts. Généralement, je me fonctionne à 10 cm. La pièce fait 62,2 mm, donc je me mets à 31,1. Et à 10 de ce côté-là. Il suffit de reporter les anthrax sur l'autre pièce, me permettant donc un traçage très rapide. Une fois ces traçages faits, il suffit de passer au machinage. Une fois les assemblages faits, il suffit de procéder à l'assemblage. Mais auparavant, il va falloir faire les trous pour donner l'accès au tournevis qui va venir serrer les pièces. Pour ce faire, j'utilise un gabarit fourni avec la machine que j'insère. Et à l'aide d'une perceuse et d'une mèche à butée d'arrêt, je viens percer. Tous les assemblages sont prêts, il suffit d'insérer les pièces. Les parties femelles d'abord. Et enfin les parties mâles. Ne pas se tromper dans l'insertion en laissant bien l'accès au tournevis sur la partie mâle. Il suffit alors de présenter les pièces. Voilà, on est parfaitement à fleur. Et d'un simple quart de tour, nous venons serrer les pièces qui ne bougent plus du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Je vous invite à laisser un petit commentaire, évidemment à mettre un petit like ou un petit pouce bleu. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram et Facebook. Je serai ravi d'échanger avec vous sur de nombreux futurs projets. Au revoir et bonne journée.